Président Fédération Internationale Judoa Marius Vizer mettait un point final à une visite de jour qu'il souhaite faire en Haïti. Pour montrer responsable à Jean Rivelli Paboïsi te provoquer contentement, ministère jeunesse et sport a organisé un cocktail dans l'Onelli, mardi soir dans l'hôtel Royal Oasis. C'était occasion pour ministre Magali Adolphe Racine de parler sous place Judoa dans sport pays. Yon extrait dans l'intervention ministre jeunesse et sport dans le micro Mackinson Paul. Monsieur le Président de la Fédération haïtienne de judo, mesdames, messieurs les cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports, messieurs les membres des fédérations qui sont là ici avec nous ce soir, distingués invités, amis de la presse, bonsoir. Je voudrais d'abord remercier le Président de la Fédération internationale de judo, monsieur Marius Vizer, d'être ici avec nous et de vivre jusqu'à aujourd'hui, durant ces visites, la force de l'âme haïtienne. Je remercie aussi le président de la Fédération haïtienne de judo, M. Martin Télémac, qui fait un immense travail en dépit des difficultés. Le judo en Haïti est une discipline sportive très répandue et pratiquée dans presque tous les départements. Le judo est parmi les disciplines qui ont permis à Haïti de décrocher plusieurs médailles dans les compétitions internationales, par exemple, dernièrement, aux Jeux de la Francophonie. Le ministère de la Jeunesse et des Sports est heureux d'accompagner la Fédération haïtienne de judo et tout le mouvement, je dis tout le mouvement des sports fédérés en général. Un nouvel air souffle sur le pays et le pays a besoin de ce souffle. Un air de paix, un air de partage, d'amour, de compréhension, de tolérance pour le développement de la jeunesse et du sport en Haïti.